Vous regardez RTL. On parle beaucoup de Jupiter, évidemment, puisque c'est le surnom donné au président Macron qui a parlé hier soir à 20h. Mais qui était le fils de Jupiter dans la mythologie grecque? Il n'en a eu qu'un seul. Ah oui. Mercure. Mercure. Bonne réponse de Madame Bachelot. J'hésitais entre Mercure et Novotel. Tu dis Mercure, on sait à peu près qui c'est. Mais ils ont été inquiets quand il était petit parce qu'il faisait de la température. Non, ils ont failli le perdre. Mais les thermomètres au mercure sont interdits maintenant. Ah bon? J'aimais bien ça, moi, quand ça montait. Ou ça. Ah, oui. Ah oui. Vous aimez, vous aussi, le thermomètre au mercure, monsieur? C'était marrant quand j'étais gamin, pour ne pas aller à l'école. Ouais, je le mettais sur la lampe, le machin. Ouais. Je disais à ma mère, je vais pas bien. Elle donnait le thermomètre. Oui, ma mère, c'était pour avoir elle dit non, pas sous le bras ni dans la langue, ça marche pas. Allez, hop, aux pépettes. Alors, comment vous dites aux pépettes? Bah, aux pépettes, c'est dans le derrière. Ah, bon, bah oui. Le problème, c'est quand il est passé au baromètre. Il se faisait passer pour malade parce qu'il espérait des suppositoires. Et il n'était pas étonné que tu aies 47 degrés. Mais non, le baissin, il montait à 42, 48, on va s'inquiéter dans le métro. Alors je mets 38,5, tu vois, c'est bien pour pas aller à l'école, tu vois, mais sans inquiéter tes parents quand même. Mais des fois, un jour, il a pété le machin, ça fait. J'ai dit. Et alors, t'as mis la lampe. Pourquoi vous, là-bas, dans les pays des ch'tis, vous dites qu'il faut mettre le thermomètre à la pépette? Parce que c'est là où on pète. Ah, c'est bon, ça. Oh là là. Elle devrait passer aux grosses têtes. Elle intervient peu, mais c'est efficace. Hein. C'est bien. Moi, je pense que si un jour, un recueil au Cherche Midi Éditeur, je veux bien écrire la préface. Qu'est-ce qui vous arrive, Christina? Elle n'a jamais été dans cet état-là. Non. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, elle est dans un drôle d'état. Non, parce que je veux savoir pourquoi pépette, quoi. Pépette, c'est con comme mot, quoi. Mais non, c'est pas oui, con. En même temps, il a raison, ça vient d'où, pépette? Oui, ça fait un peu cucu, excusez-moi. On dit l'argent, on dit les pépettes. Ouais. Bah oui, oui, mais pour le cul, pourquoi le cul, c'est de l'or. Dans le Nord, on dit c'est le pépette. C'est des petits mots jolis pour pas être grossier. Tu dis les tototes, les nénettes, les pépettes. Tu dis les petits ronrons. Mais les tototes, on comprend, les tototes, ça vient des tétons, les tototes. Ouais, mais alors pourquoi pépette? Dans le Nord. Parce que ça pète. Parce qu'on pète, ça vient de là. Dans le Nord, commencez pas, vous. Dans le Nord et en Belgique, visiblement, on dit le pète pour dire le derrière. Ah oui. Mais bah oui, je suis en train de vous dire, ça vient de là. Dans le Nord, on dit les coucous. La bibite. Non, on s'égare, là, on s'égare. Non, mais Laurent, remettez un peu d'ordre. Et donc, nous sommes ça. Donc aux grosses têtes, hein, c'est ça. Ah, quand le père de Mercure parle, les Français l'ont dans le cul. Voilà.